Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée au sang, ses hôpitaux, la imata chez notre aîné. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko yaye. 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 Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas six mois sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mon combo t'es quoi là t'es quoi alors t'es quoi bio y'a mboka y'a fresh y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pula mon kanja isali barubi njombo y'a li en kuba paniwa barubi njenge isali y'a komba kanja y'a mboto y'a mbisela barubi nyama y'a mboto y'a mboko mboto y'a gane kala ngando n'est la lani na basi na sutu eza kodia na peti po maman mande ya solo po bato comprendre te mawa ba kongore u alonu po na kodia na bino moko ba kode ya dino kalinyo kodia na apeti Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. La Mouka, la corde coupée en deux, Fayulu, Mozuto, tous les signes vitaux sont normaux. Moïse Katumbi, bientôt à Kinshasa pour l'implantation de son parti. C'est le Patrimoine Info qui en parle. Bâti sa ligne derrière Fachi. La FDCA fixe l'opinion sur son avenir politique. L'UDPS laissera le pouvoir après 370 ans. C'est le concept qui en parle. Mesdames et messieurs, nous voici pleinement en politique. On en parle maintenant. Je donne mon point de vue sur tout ce que j'ai entendu. C'est même ça l'essence de mon émission. C'est donner de points de vue, analyser, réfléchir sur les questions qui se posent. Beaucoup apprécient mes analyses. Bon, il y en a qui n'aiment pas, il n'y a pas de problème. Mais contribuons. Je crois que c'est nécessaire, excusez-moi, de contribuer sur la question. Mesdames et messieurs, il faut qu'on se rappelle d'une chose. Les acteurs politiques sont d'abord ceux qui conçoivent leurs idées, leurs visions, leurs plans, et ils s'y mettent au travail pour ça. Et c'est des bonnes lois. C'est de bonne loi, de ce qu'on est en train de voir dans le pays, et là, n'est bango balingi bas basan. Et ce n'est pas à moi de dire non, tu as raison, non, tu as tort. Mais c'est sur base des analyses que l'on peut faire pour dire que tel est bien, tel est faux. Lorsque je disais que la Mouka n'allait pas mettre longtemps, les gens pensaient que j'étais contre la Mouka. Je ne pouvais pas être contre la Mouka était contre lui-même. Le problème, c'était au niveau de la configuration même de la Mouka. Mes frères et sœurs, en politique, il ne faut pas être naïf. En politique, il faut réfléchir d'abord à amont et puis à l'aval. Il faut réfléchir sur base, il y a ma possibilité. Nous savons tous, c'est vrai, aujourd'hui c'est un secret de Polichinelle, que si Martin Fayulu était candidat président, c'est-à-dire candidat commun de l'opposition, c'était simplement et pour une seule et unique raison, il n'y avait pas Katumbi, il n'y avait pas Bemba. S'il y avait Bemba, il y avait Katumbi, je suis convaincu qu'on n'allait même pas parler de candidats communs. Ça n'allait pas exister. Engin Simbaté. Ils allaient tous aller aux élections à ordre dispersé et on allait connaître ce qu'on allait connaître. Donc, et puis, ce qui est vrai, certainement, l'opposition allait gagner les élections, atteindre 3 ou 4 places et le pouvoir de Kabila, là où la majorité de Kabila à l'époque, Bangaba a peut-être quatrième ou cinquième place. Parce que je ne voyais pas dans le mécanisme ni Oj, M. Chadari, à rabattre Bemba,
Non, mon attaque n'est ni Mitesh Adari, Anga battre Katumbi. Non, mon attaque n'est ni Mitesh Adari, Anga battre opposition. C'est-à-dire, il n'allait pas battre Félix Tshisekedi, il n'allait pas battre Katumbi, et puis il n'allait pas battre Jean-Pierre Bemba. C'était pas possible. Donc, du coup, Jean-Pierre Bemba, Chadari, Anga battre certainement Batoum Soussou. Mais il faut aller plus loin aussi pour savoir. Ce qui candidat, Martin Fayoul a dit candidat président. Là où Bemba est candidat, là où Nani est candidat, Martin Fayoul allait toujours perdre. Parce que Martin Fayoul, par rapport à Batouana, a été quitté. Et ça, ce n'est pas manquer du respect à Bangou. Et donc, manquer de respect. Même Mozuto, même si Mozuto était candidat, Mozuto n'allait pas battre Bemba, il n'allait pas battre Katumbi. Et ça, c'est clair, on ne peut même pas discuter là-dessus. Il n'allait pas battre Katumbi, il n'allait pas battre Jean-Pierre Bemba. Donc, certainement, Fayoul allait battre Mozuto parce que Fayoul était déjà dans l'opposition, alors que monsieur Mozuto était avec Kabila. Du coup, si monsieur Mozuto, son image a été lavée, c'est parce qu'il est venu dans l'opposition. Et fait que je dis est clair. S'il n'était pas venu dans l'opposition, il ne serait pas aussi considéré par la population. La preuve, tout va continuer contre la Kabila, il y a la confiance, il y a peuple. Tout le monde le sait et tout le monde peut le voir. Imaginons-nous un peu, Félix Tshisekedi, qui est le produit de l'opposition, a été insulté simplement parce qu'il a fait alliance avec Kabila. Alors dites-moi un peu, celui qui est avec Kabila, qu'est-ce qu'il allait dire aux gens? D'abord, ça, on a analysé, on a compris que les choses n'allaient pas être aussi faciles que ça. Donc, l'amour ne pouvait plus continuer. Mais maintenant, le fait pour eux, d'avoir donné à Martin Fayoulou la possibilité, le podium, une naissance politique, une tribune d'expression, Martin Fayoulou s'est rendu compte qu'il est devenu aussi populaire que Bangopé. Donc aujourd'hui, Martin peut parler, Batoupé Bayokiye. Il peut aussi arriver à la Sainte-Thérèse sans Bemba, sans Fayoulou, sans Katumbi, Batoupé Bayébélé. Aujourd'hui, dire que Fayoulou ne peut pas réunir autant de monde, c'est faux. Il peut réunir autant de monde. Donc il est passé d'un leader local à un leader national aujourd'hui. Les gens l'ont connu. En politique, le passé reste cristallisé. On n'a pas dit non, mais c'est à cause du passé. En politique, le passé n'a pas d'impact direct sur le présent. Quelquefois, oui, mais surtout pas quand on a créé déjà quelqu'un. Construire quelqu'un en politique a des désavantages parce que vous ne pouvez plus le détruire. C'est très difficile de construire quelqu'un, surtout sur base de confiance. Il est facile lorsqu'on a créé quelqu'un sur base d'un contexte en dehors de ce contexte. La preuve, exemple. On dit, il est facile pour Kabila de détruire tout ce qu'il a créé. Parce qu'il les a créés en dehors de la volonté du peuple. Kabila a créé Batonaye, la volonté naïe. Mais maintenant, Martin Fayoulou a été créé na cendre et la douleur et la souffrance, il y a bateau. Et donc, il y a eu une sorte de confiance, on appelle ça Kibango, mais c'est vrai, une confiance par délégation ou par procuration. La preuve, moi je vous dis toujours, bato à l'intermission, on a ba yebi, on a na kenda, ba province, na kenda, na ba village, vous autres posez ma question et les cas. Est-ce que vous avez Martin Fayoulou, toi yebi était, toi yebi Martin Fayoulou, tout ça, ba yebi était. Mais ba yebi, ba yebi après, tant que ba Bemba, ba Katumbi, ba imposé. Bah alors, ça c'est le passé, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Et comme il est en haut, et comme il est aujourd'hui, Martin Fayoulou, il faut faire avec. Mais attention, mesdames et messieurs, la politique, ce n'est pas que ça. La politique, ce n'est pas forcément la popularité, parce que la popularité, ce n'est pas l'électorat. La popularité, elle est différente de l'électorat. Vous pouvez être populaire, mais vous n'êtes pas élu. Jean-Pierre, Werenson est une preuve. Très populaire. Mais c'est dans un autre secteur. Il est populaire en musique, pas en termes d'élection. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre, sinon tous ces grands leaders de la musique deviendraient tout de suite des politiciens et seraient élus. Il y a une différenciation à faire entre la popularité et l'électorat. Je suis en train de me battre pour vous faire comprendre le vrai problème de la Mouka. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba se rend compte que, bon, peut-être qu'on a commis une erreur, on n'aurait pas dû qu'à fabriquer Martin Fayoulou. Parce que finalement, il est incontrôlable. Il est beaucoup plus proche de Mozuto que de Bemba et de Katumbi. Du coup, ça commence à devenir un peu compliqué. Monsieur Fayoulou prend des décisions comme il entend, quand il veut, s'il veut. Il n'écoute ni Katumbi, moins encore Jean-Pierre Bemba. Il fait quand il veut et il engage pratiquement tout le monde. Il ne fait pas la différence entre Essidé et la Mouka. Et ça commence à devenir un sérieux problème. Lors de contentieux électoraux, dans le débat, vous avez entendu le ministère public.
Le ministère public avait estimé que Monsieur Fayulu, c'était quelqu'un qui prenait des décisions seul. Il engageait parfois l'équipe sans qu'à entendre Bango. C'était ça peut-être son, son défaut. Et aujourd'hui, quand on le disait dans le temps, les gens pensaient qu'on était en train de jouer. T'as la sikolo, lo bato tout bako mikolo bayango. Bato tout bazaki na lamuka ou babimi na lamu, disons bazaki na katia lamuka. Elle, il y a Martin Fayulu bazolo bayango. Que Martin Fayulu a une difficulté yagoyo kabato. A une difficulté à rassembler Batoubé sur Rana Bango. Il prend des initiatives d'abord seul, et puis après les autres doivent entériner Baïdé Nabango. Baïdé Naï. C'est comme compliqué. Pour les autres, c'est insolent. On dit non, c'est pas possible. Parce que pour le peuple, Martin Fayulu, Bemba, tout ça, Bada Bango n'est pas politicien. Mais entre Bango et Miyebi, Jean-Pierre Bemba estime que Fayulu lui doit beaucoup. Katumbi estime que Martin a le devoir et Peming. Parce que c'est lui le financier. Jean-Pierre Bemba, c'était lui un peu comme le parrain. Celui qui a accepté le Kwane Kéken et c'est ma modèle. Alors du coup, et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'à un moment donné, les décisions de la Mouka, toujours va sous et décider, et va à la Mouka, ainsi de suite. Ça, ils ont déjà l'accès que Bato Boké Moussikate. Et tout le monde qui a déjà la preuve, tout comme il est là. Aujourd'hui, Katumbi décide de créer son parti politique. Ensemble, à commission un parti politique naïe. Nakati ensemble, et là qui n'a pas regroupement et belé. Koulou tout n'angaye Salomon Escadela, Arakina, Adana, na MK, na Yeshon, Mikosite, Bandego Belé, Badana, ma partie politique, na Bango, Badeli, Sesanga, Badaki Belé. Tangou Ndeko, Mouzou, Nikatoumbia Sengi, Asa la partie politique, Bao Mouzou, tu vas se pelliter, Babite, Bito, tu vas se fondre, tu vas se liga, ma partenaire, mais on ne se fond pas. On ne fond pas nos partis pour notre éveil. Bah, tout moussou, bah, lui, tete, bio, tolandio. Entre autres, Pierre Lumbi, Kondo Pierre Lumbi, Bandeko Bele, Bandimi Kolanda, Moïse Katumbi, bah, sali, oh, l'Isanga, parti politique, Namango, autorité morale, Namango, président Namango, et commis Moïse Katumbi. Alors, déjà devant cette machine, mesdames et messieurs, il faudrait comprendre les enjeux politiques, parce que tout se passe sur 2023. Il faut battre, bah, que tout autre, tout ça, là, oh, et ça par rapport à 2023. Et à mon avis, Katumbi revient, je peux vous le dire aujourd'hui, dans le bureau sous le lot. Bon, on dit maintenant peut-être en 2023. Celui qui présentera un parti le mieux ordonné, le mieux structuré, et vous allez ensemble à Katumbi. Je dis dans l'opposition, je ne parle pas d'un parti à pouvoir, ou d'un IDPS. Parti, et vous allez, bon, on dit maintenant, un Congolais, la plupart des jeunes, et vous allez partir à Katumbi. En fait, son gars l'a dit, conseil, bien évidemment. Et vous allez partir, il y a Katumbi. Parce que la logique au Katumbi, c'est la logique de prendre tout le monde et de prendre tous les leaders d'opinion. Du côté journaliste, du côté à football, côté... il n'a pas hésité hein, d'aligner un footballeur comme député. Et après, c'est comme ici, bon, député. Donc, ça dit, madame Bongo, lorsque vous avez des gens comme Salomon Escadela qui sont, à mon avis, un véritable stratège, ils sont en train de réfléchir là-dessus. Ils réfléchissent comment on fait. Nous sommes un parti, au Congo, on a la tendance tribale. Mais comment tu qui m'a tribalisme tu ça n'est pas qui m'a tribalisme. Le premier acte, on va aller à Kisangani. Première action pour finalement flouer un peu la carte du tribalisme, pour montrer aux gens qu'on n'est pas tribaliste, on n'est pas dedans, alors on va aller d'un côté à Kisangani. Tout en sachant que le noyau de ce parti est à Kinshasa. On a des cartographies déjà compliquées. On vous montre déjà que non, non, ce n'est vraiment pas un parti katangais. Parce que finalement, le président, oui, il est katangais, mais quand on revient de l'autre côté, on se rend compte que c'est Kin qui finalement a le noyau, la sortie officielle va être na Kisangani, et lui-même, le président Katumbi a fait les tours, na Goma, Bukavu, ainsi de suite, peut-être qu'il n'est pas encore allé en Bandaka, et même à Kinshasa, qu'il est en train de venir. Donc, on me dit que son hôtel à Moussika, tu te rends compte que, Koto est déjà, bah ok, bien, bah on dessine. Parce que Katumbi est derrière un leadership katangais. Il veut d'abord dépasser son leadership, confirmer son leadership katangais et puis le dépasser. Alors, après d'avoir fini le leadership du Katanga, sur un jour leadership, il y a Kisanga, nous on parle un peu plus Swahili, il peut revenir encore tracer côté à Est et à République Mouvimba. C'est quand il aura repris le contrôle, il y a Kivu, il y a Est, c'est-à-dire où on parle Swahili, sa langue, et Kinshasa qui est déjà en train d'être pris, il faut le dire, et ça va compliquer un peu. Alors du coup, c'est lui qui a décidé de faire une opposition républicaine avec une machine de cette façon-là, et ça très facile pour le Mouta Modèle à avancer.
Mais maintenant, le fait, là où Katumbi gagne encore un point, ne vous en faites pas, je parlerai des autres aussi. Hein. Là où Katumbi va gagner plus de points, c'est quand il va faire sa démarcation avec Kabila. Kabila a voulu le revoir ou Azoué Lissoussou. Mais Kabila a dit non, Katumbi a dit non, je ne peux pas continuer avec toi Kabila, je fais ma route seule. Et quand il fait, comme il fait la route seule, qu'est-ce que vous voyez déjà comme pause? Il y a deux signaux au Talis Amadia Libosso. Le premier signal, les alliés, une alliance avec Félix Tshisekedi en 2023. C'est le premier signal. Le deuxième signal, au cas où Félix Tshisekedi ne se désolidarise pas, dans les faits, tout comme dans les gestes, na FCC, Katumbi peut aller seul dans l'opposition. Disons, il peut aller seul comme candidat à la présidentielle en 2023. Mais maintenant, est-ce qu'il a la chance de gagner, de remporter ces élections en 2023? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que de toute façon, les contextes, il y a Félix Tshisekedi pendant sa deux mandats, il a jusque la possibilité à Félix Tshisekedi de faire deux mandats, il a 70%. 70% est garanti pour que Félix Tshisekedi a fait là deux mandats. C'est possible. Il peut le faire, des mandats, sur l'aspect politique, ils allient, sur l'aspect juridique, ils allient. Donc, tous les deux aspects, ils allient. Les chances pour que Félix Tshisekedi abatte la deuxième mandat, ils allient. Et vous, je peux vous le dire, croyez-moi sur parole, Félix Tshisekedi fera deux mandats. Si les choses se passent exactement, n'engezo kendebou. Pas comme les gens voient. Parce que les gens voient autre chose. Il faut regarder cette vie politique avec un autre regard. Surtout là où on a regardé, on a mis dans la frustration, tout ça. Bon, quelqu'un a bon goût, bon lobby, lobby, puis à la fin de compte, vous n'avez rien. Mais quand vous regardez en profondeur, vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi a une marche. Peut-être qu'on a sous-estimé en gros. Hein. Peut-être 70% à mouquer. À la limite, on peut parler même de 80%. Il peut se représenter. Le problème, ce n'est pas alliance avec Kabila ou pas. Le problème, c'est que est-ce que lui fera un deuxième mandat? C'est possible. Mais pour qu'il fasse un deuxième mandat correct, mieux que celui-ci, c'est maintenant qu'il doit travailler pour un comment ça l'aille. Ce qui a éliminé concurrence na bateau FCC qui le met un peu le bâton dans les roues, na minute, ça peut aller, je reviendrai plus tard. Donc, Katumbi, vous avez vu un peu logique, na, place Zokene. C'est quelqu'un jusque-là, en termes d'organisation, en termes d'adhésion populaire, en termes de recrutement, il y a un cerveau. Katumbi n'a pas de concurrent actuellement. Il n'a pas de concurrent. Katumbi, c'est dans tous les secteurs où il peut gagner. Dans tous les secteurs, parce qu'il a une communication où il est efficace d'un côté. Mais est-ce qu'il n'a pas de faiblesses? Il a beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses parce que Katumbi lui-même ne discute pas avec ma future enrôlée. Naï. Il ne discute pas avec ma potentiel candidat. Naï. Il sous-traite. Et lorsqu'on sous-traite, c'est compliqué, hein, c'est assez compliqué. Il faudrait finalement donner l'impression d'être quelqu'un qui va à la pêche seul. Ça a toujours été important lorsque le président appelle Batouye Moko ou Bengi Moutou, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ça met la personne aux Obengaye en confiance. Il garde souvenir, je parle avec le président lui-même. Mais si la personne est recrutée par intermédiaire, il peut aussi vous faire, il peut aussi vous décevoir par intermédiaire. Son refus, bon, il est normal, il dit, bon, je décroche. Mais quand vous avez dîné avec quelqu'un, quand vous avez parlé avec quelqu'un, quand vous lui avez fait confiance, en tout cas, c'est difficile. Donc, il y a aussi ça. La difficulté encore de Moïse Katumbi, c'est aussi cette communication. Moïse Katumbi, il communique, mais pas avec les mots, il communique dans ma geste. Moïse Katumbi est capable de venir dans une université et passer toute la journée avec vous. Et il passe toute la journée avec vous, vous jouez au football, vous discutez, vous mangez. Oui, c'est bien, ça communique, mais ça ne rassure pas plus que les propos, plus que les paroles. Donc, je crois qu'il y a un travail qui doit être fait en termes de discours. Et c'est là, sur la question que Moïse Katumbi doit jouer. Ce qui est un point fort pour Fatih. Fatih, si vous l'écoutez, vous l'entendez, bien, il peut vous séduire. Parce que c'est un orateur, c'est un harangueur de foule, c'est un technicien de parole, il sait s'approprier d'un podium, il se vend bien. Lui, il a cette capacité-là. Mais là où Fatih n'est pas très fort, c'est là où Katumbi est fort. Fatih n'est pas très fort dans la sociabilisation avec les gens. Avec un groupe réduit, il peut. Mais pas avec une masse. Il ne peut pas. Alors que Katumbi se fond bien dans la masse, mais dans la discussion, il n'est pas très fort. Félix Tshisekedi, par contre, dans la discussion, il est très fort. Il est même inspire. Mais dans la masse, il est assez compliqué. Il, avec un nombre réduit de gens, il peut bien. Mais là-bas, tout est comme compliqué. Donc, tout ça, il faut prendre ça en compte quand on veut aller un peu plus loin. Alors, maintenant, on est côté à Katumbi. Mais un autre élément, il y a Bemba, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est aujourd'hui, on va dire, une main. Bon, le terme n'est pas celui-là, mais on va dire une main facile. Mais Jean-Pierre Bemba était un enjeu important.
Jean-Pierre Bemba est un enjeu important. Jean-Pierre Bemba ne demande qu'une seule chose, d'être, qu'on lui donne la possibilité de se présenter comme président de la République. Disons, de postuler comme président de la République. Il y a deux possibilités. Soit vous donnez à Jean-Pierre Bemba les moyens nécessaires de sa politique, parce qu'il a besoin de reprendre son leadership à l'Équateur qui a été détruit, saboté par Kabila. Parce qu'il faut rappeler que lorsque le MLC a été détruit, tout ce qui faisait le MLC, tout alors, à l'exception de Yamoudouté, tout va traverser vers Kota Kabila. En tout cas, pour la plupart des cas. Hein. Je ne veux pas dire tout, pour tout il y a exclusion. En tout cas, tout est à tout relatif. Tout. Oh, Kenda et pas Kabila, apprennent des destinations dans Bamboussous. Et Bélé, Kenda Kuna. Alors, donc, du coup, même dans l'Équateur, là où Bemba était finalement, là où c'était les sanctuaires, je me rappelle encore quand j'étais petit, quand on grandissait, Jean-Pierre Bemba, c'était l'image de Mobutu. Même si les gens ne lisent pas beaucoup d'histoire pour comprendre qu'ils n'étaient pas si proches que ça, mais Jean-Pierre Bemba était finalement l'image de Mobutu. Et donc, du coup, il est naturellement accepté na Équateur. Mais le coût de la décentralisation, na coût ya kurepako kabola ma province et kolongolé moi mouké. Du coup, les gens ont un discours né pour dire, par exemple, la scène de Mbandaka, Bemba n'est pas à la communauté. Il y a tiré le côté gaming. Ouais, déjà, ça dérange un peu. Du coup, un leadership de l'Équateur, où il y a Mbandaka et Mando Botam, qui va être celui qui va porter l'espoir de Mbandaka? Il faut donc trouver quelqu'un qui va prendre ça. Et ça, c'était dans les calculs aussi de Kabila. Comment déconstruire les leaderships? Il y a Batuloko Abemba, Batuloko Katumbi, Batuloko Vital Kamere, Batuloko Batuloko. Il fallait quand même déconstruire le leadership pour apprendre au Kabila. On a l'hégémonie locale. Hein, Mike. Alors, Jean-Pierre Bemba a besoin de revenir sur la question. Il a besoin d'installer son parti partout, ça demande de moyens qu'il n'a pas aujourd'hui. Et donc, soit vous allez dans les questions de moyens, soit vous négociez, il devient Premier ministre, soit vous négociez, il a un portefeuille ou des portefeuilles, ne vous en faites pas, Jean-Pierre Bemba ne viendra pas à la télévision, donnez-moi les postes, c'est la politique. C'est la politique de rappel. On se dit, on se battu avec vous, on le fait. Parce que la politique, contrairement à la philosophie, la politique, c'est un monde qui n'obéit pas à un schéma mathématique. Non. La politique, c'est qu'il y ait 2 plus 2 peut être 6. La politique, 6 plus 6 peut être 1. Donc, il n'y a pas un schéma qu'on suit. Oh, ok, 1-1, il va à bon côté. Alors, il faut suivre vraiment un bon canal. Parce que Jean-Pierre Bemba a une bonne représentation dans Kisangani, il faut rappeler. Une bonne représentation dans Kisangani parce que Mme Bazaïba est là. Bon, c'est vrai, Mme Bazaïba n'a pas travaillé, elle non plus, son leadership local. Elle s'est beaucoup plus penchée à côté à Kinshasa, mais à côté à Kisangani, on ne reconnaît pas Mme Bazaïba, le roi numéro 1, il y a côté Oana. Aujourd'hui, si vous posez la question à Mbato Kisangani, nani leader Nabino, en tout cas, on ne parlera pas, on ne vous citera pas, numéro 1, Mme Bazaïba, non. Parce qu'elle aussi n'a pas travaillé sur la question, parce qu'elle a vécu à Kin, alors elle est beaucoup, d'ailleurs beaucoup plus connue, supportée à Kin que na côté à Kisangani. Donc, il faut une autre naissance, il y a politicien, sinon il y a acteur Kuna. Mais alors, maintenant, Batuloukoubo est clair. Batuloukoubo, dans sa condition, il dit, je ne soutiens plus Kabila. La photo que vous avez vue avec Kabila, ce n'était pas une photo seule avec Kabila. Non. La Batuloukoubo a pris cette photo dans un contexte particulier, avec pratiquement plusieurs sénateurs, et plus de 10. Au Bazala, qui ont une carte à salle. Mais les gens ont pris juste une photo qui a été balancée pour dire que Zongani. Non, pourquoi je dis toujours pour que Batuloukoubo, ce qui batte à Zongani, na Kabila, en ce moment-là, je comprendrai que l'homme politique congolais n'est pas un homme et qu'il n'a pas de dignité, il n'a pas de personnalité. Parce qu'on ne peut pas rentrer là où on vous a montré, on vous a aussi humilié, tourné en bourrique, le cas modèle Wana. S'il y a des gens qui ont connu l'humiliation la plus grande, Batuloukoubo est parmi à se connaître l'humiliation. Donc il ne peut pas. Alors quand on avait demandé au président Fatshi d'utiliser ceux qui ont été frustrés dans le régime Yakala, c'était entre autres Batuloukoubo. Parce qu'il représente l'Est de la République aujourd'hui. Il y avait à l'époque Batuloukoubo, à mon avis. Il y a à l'Est de la République, il y a au moins 4 leaderships qui se créent. Hein. Peut-être on va dire 5, mais moi je parlerai des 4. Il y a en premier. Donc, je ne sais pas s'il faut mettre Vital Kamerhe en premier ou Batuloukoubo. Permettez-moi ça, j'ai dit Batuloukoubo premier, Vital Kamerhe deuxième. Pourquoi je le dis? Parce que Batuloukoubo est un parti beaucoup plus important que celui de Vital Kamerhe. Même en termes d'élus, parce que c'est comme ça qu'on regarde un parti politique. Les élus de ce parti-là,
l'exécutif qu'il a, le parti, le nombre d'adhérents et surtout le nombre de la masse. Et vous savez tous aujourd'hui que, en termes de représentation dans les institutions de la République, le parti des Batulukou est mieux implanté que celui de l'UNC. Ça, vous devez le savoir et c'est facile de savoir. Mais là où les choses sont compliquées, c'est plutôt dans la masse. Qui est plus populaire, qui ne l'est pas. Il faut rappeler que lorsque vous êtes du côté de la majorité aujourd'hui et avoir autant de personnes qui viennent vous rencontrer, ouais, ça prouve à suffisance que vous êtes quand même assez installé. Et l'un des partis aussi structurés de ce pays, c'est aussi le parti de Batulukwebo. Donc, il y a Batulukwebo à l'est du pays, il y a Vital Kamerhe qui n'est pas quelqu'un à négliger à l'est du pays, il y a Mboussa Nyamoussi qui n'est pas négligé à l'est du pays, et puis il y avait le, comme on appelle nous en Lingala, on dit Kondo Pierre Lumbi. Lui aussi était assez populaire de ce côté-là. Aujourd'hui, Pierre Lumbi n'est plus. Donc, du coup, non seulement que c'est un coup pour Katumbi, à ce côté-là, mais attention, il y a aussi une sorte de redistribution des cartes. Étant donné que le leadership est individuel, et surtout le leadership, malheureusement au Congo, il n'est pas collectif, il n'est pas non plus de vision, c'est plutôt individuel, l'absence de Pierre Lumbi donne l'opportunité à tous les autres grands de se répartir, de se distribuer un peu cette manne politique. C'est vrai qu'il y aura toujours un petit noyau qui va garder l'idéologie, mais bon, en termes de leadership, donc maintenant, Bango trop Batikali, mais ce Mboussa Nyamoussi, Batulukwebo et Nani et Vital Kamerhe. Or, aujourd'hui, Vital Kamerhe n'est pas très loin de Félix Tshisekedi. C'est vrai, il y a un froid, mais ils ne sont pas ennemis aujourd'hui. Je ne vois pas Kamerhe décider de déranger Fatshi aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Peut-être demain, peut-être en 2021, peut-être en 2022, ça peut arriver. Mais pour l'instant, il n'y a pas, c'est pas encore le moment. Et même si c'était le moment, je connais trois ministres de l'UNC qui vont partir, qui vont rester avec Fatshi au cas où Kamerhe partait. Le trois, vous le connaissez. Tout le monde connaît, les avertis connaissent. Et même lui-même, M. Vital Kamerhe, connaît qu'il y a trois ministres qui ne sont pas avec lui. Et un monsieur qui est dans les entreprises, je ne cite pas les noms, deux, bon, tout ça, deux, pour tout foulouer, deux. Deux, voilà, il n'y a pas qu'il n'y a pas. Trois ministres, il n'y a pas qu'il n'y a pas. Donc, vous voyez que l'UNC, en partant de cette alliance, perdra que l'UDPS. Et entre-temps, ceux qui Kamerhe à Longwe, tout de suite, c'est Batulukwebo qui prend la place. Ou c'est Mboussa Nyamoussi qui prend la place. Or, Mboussa Nyamoussi n'est jamais parti. Mboussa Nyamoussi soutient le chef de l'État avec la question de Ebola. Ebola est déjà fini, mais je crois qu'il continue toujours à soutenir le chef de l'État. Maintenant, Batulukwebo rentre dans les jeux. On m'a dit que 2023 est là quasiment dessiné déjà. Donc, supposons que Tokyo a deux tours, n'y a pas lobby. Le FCC ne va plus aller en alliance avec Félix Tshisekedi parce que ça sera la condition. Il y a Batoka Batulukwebo, condition Batoka Katumbi. Ceux qui fâchent, ils te soutiennent, tu ne fais plus alliance avec Kabila. Et c'est fini. Laisse-le vivre dans l'opposition à Lukabatunaye. Alors, est-ce qu'il y aura une alliance entre le FCC, na Lamuka, Fayulu, na Mozito? Je ne pense pas. Est-ce que le FCC va s'allier avec le MLC? Je n'y crois pas. Donc, du coup, on risque d'avoir en 2023, c'est juste une analyse, on risque d'avoir en 2023 un ticket où Félix Tshisekedi est président de la République et vous avez peut-être le Premier ministre, quelqu'un d'ensemble, parce que je ne sais pas si Katumbi voudra être Premier ministre, je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, la politique peut se jouer en termes et à jeu, en temps et à temps. Félix peut faire deux mandats, parce qu'il ne fera pas un troisième mandat. Il fait un deuxième mandat. On est en 2000, il fait deux mandats. À partir de 2028, le jeu se dessine maintenant. Oh, le ticket, Batulukwebo, Bemba, et puis Katumbi. Peut-être Katumbi passe président de la République. Il est un premier ministre soit du MLC, soit de l'UDPS, soit de Batulukwebo. Il fait deux mandats aussi, et puis ainsi de suite. Peut-être, je dis bien, les calculs, Ekoza Bongo. Donc, tout est question de voir comment les choses sont. Mais entre-temps, Lamuka maintenant, je dois dire, mesdames et messieurs, Lusolo, il y a Lamuka, il y a Katumbi, il y a Lamuka, il faut dire, c'est déjà oublié. Katumbi ne fait plus partie de Lamuka, je ne le vois pas. Mais vous savez, en politique, peut-être qu'il ne le dira pas. On va constater simplement. Hein, disparition, vous allez peut-être constater. Mais je ne le vois pas faire une déclaration. Mesdames et messieurs, je prends congé de Lamuka. Il sait qu'il ne peut pas faire ça et le déranger.
Kabemba ne fera pas non plus. Mais bah, on constate qu'il y a l'absence de Mango assez mingi mingi pour la Makambouana. Mais un autre élément important. Est-ce que Katoum, est-ce que Fayulu na Mozuto va continuer la relation avec Mango Batanango? Cette question est difficile à dire oui maintenant ou difficile à dire non maintenant. Je ne vois pas personnellement ce qui unit Mozuto et Fayulu. Je ne vois pas. C'est deux personnes qui ne se supportaient pas avant. Pour Mozuto, pour Katoumbi, pour Fayulu, Mozuto, sa place est en prison. Vous avez entendu, n'est-ce pas, les discours de Mozuto, de Fayulu. Mozuto a tellement volé dans la République, il faut Kangaï. C'était le propos de Fayulu, Ngadem de Lobiango. Alors, est-ce qu'ils vont continuer ensemble? Peut-être. La politique, il y a aussi de la grandeur. On essaie de prendre un peu de la hauteur, on oublie le passé pour faire route ensemble. C'est possible. Mais si on me dit demain qu'il va Kabouani, il va étonner Ngaté. Ah, je vous dis déjà que ça ne va pas m'étonner. Ce qui lobby Katoumbi, Fayulu, pardon, na Mozuto Bakaboni, ça ne va pas m'étonner parce que c'est, ça peut être clair qu'ils vont ensemble. T'sais. Mais maintenant, l'UDPS, qu'est-ce que l'UDPS gagne? L'UDPS est au pouvoir aujourd'hui. Et l'UDPS va tout faire pour garder son pouvoir. Mais la véritable manière durable de garder le pouvoir, c'est de satisfaire le besoin du peuple. Et ça passe par où? Ça passe par le recrutement de bonnes personnes qui vont appliquer la vision du président de la République afin que les choses changent efficacement. C'est d'abord, quand on va faire le remaniement, le chef de l'État doit s'assurer que Bateau va tenir le pouvoir, ou le ministre, Bateau va travailler malamou ponaye. Et aussi, notre carte que je ne peux pas dévoiler ici, c'est la carte qui peut se jouer au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Il y a une carte que le président peut utiliser pour avoir na faveur. Je ne peux pas dire plus, mais ça peut se jouer na parlement, na carte assemblée nationale. Une très belle carte que les autres ne connaissent peut-être pas, mais là, ça peut se jouer. Voilà un peu, mesdames et messieurs, mon analyse à moi sur la question politique dans notre pays. Bonne chance à tous les acteurs politiques. Battons-nous pour le vrai. Faisons un bon combat. Ceux qui ont été choqués dans la propos d'Anga, Bolimbisa, c'est un point de vue. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Maman Marte, Africa Union, mais quand t'es gagnant, bilan pour y aller, y a Congolais, on y dit ne pour à ça les ajouter, pour la Corée la yo, pour ma bonne la yo, pour la Toto la yo, pour y aller, pour ma bonne la yo, balobi bio Africa Union, et toi t'es tout à coup on a pas six mois, sinon pour y aller, sinon pour y aller. Pour pas tout comprendre, Mawa. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie. Pas pour les radis, Coriana, appétit. Oh.